ce matin sur RMC, on a choisi de vous raconter cette nouvelle histoire hallucinante. Ça se passe à Bourges, où la demande de naturalisation d'un réfugié syrien a été refusée. Pourquoi ? Parce que cet homme travaille beaucoup trop. L'administration française lui reproche de ne pas respecter les 35 heures, ce qui est interdit. Et Fanny Bocco, vous l'avez rencontré pour RMC. Arrivé en France en 2014, Rawad a fui la Syrie. Après la guerre, ma famille était décédée là-bas. Mon père, mon mère, j'ai quitté Syrie parce que je veux avoir une vie normale. Comptable en Syrie, il ne peut plus exercer en France et décide d'enchaîner les petits boulots pour s'en sortir. La préparation, comment tu fais l'ouvreur, espace vert. En février 2019, il demande sa naturalisation pour devenir un citoyen normal, comme il dit. Mais l'administration française lui refuse. Il a trop travaillé, 44 heures déclarées au lieu de 35, comme le veut la loi. Ça m'a choqué. Parce que tu travailles trop, c'est pas bonne raison. Je veux pas passer toute ma vie en catégorie de réfugié. Comme je paye mes impôts, comme je paye mes charges, je veux travailler pour payer mes factures. Une décision jugée injuste par l'avocate de Rawad, maître Leïla Duivon. Il a multiplié les contrats de travail et là on lui reproche cela alors que lorsqu'on met en avant le travailler plus pour gagner plus, pour vivre décemment, c'est sûr que c'est compliqué après d'expliquer à monsieur qu'on lui a refusé sa naturalisation sur ce fondement juridique. Propriétaire de son food truck depuis 6 mois, Rawad va bientôt ouvrir son restaurant.